Bonjour à toutes et à tous, ici Black Donut. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de sport, le quatrième si je ne m'abuse. Et pour le coup je vous ai demandé de participer, de m'envoyer vos superbes créations, vos créatures magnifiques que vous avez pu créer dans sport. Et donc vous étiez finalement pas beaucoup à m'envoyer vos créations, mais ça suffit largement, puisque chacun de vous m'en envoyez en moyenne genre 5. Donc merci à Claptrap, Tetsuya, Maxou88420, 3 avec un 0 à la place du O, Livio et Clément, qui n'ont pas vraiment vu leur pseudo, donc c'est Livio et Clément, pour vos superbes créations, qu'on peut voir juste ici. Regardez-moi ça, vous pouvez voir qu'une personne m'en a envoyé par exemple beaucoup. Et sinon, ça c'est que les dernières que j'ai téléchargées, elles sont où les autres? Bon, sinon, vous pouvez voir quand j'en ai créé 2-3 aussi, pour le principe. Voilà, par date de création. Voilà, on peut voir à peu près toutes les dernières créations en date. Maxis, et là ça commence. Du Colossa jusqu'au Flatosaurus, non, ça c'est le mien. Ah! Je voulais spoiler, c'est pas grave. Oui, parce que j'ai un petit peu amélioré, c'est parti, on va partir sur Torte. Torte, t'es où? Hop! Reparti vers la planète Torte. Et donc, a priori, il semblerait qu'on ne retrouvera pas vos créatures pendant ma phase créature, parce qu'en fait, comme je l'ai commencé. J'ai déjà commencé au moment où j'ai rajouté vos créatures, elles sont pas comptées dedans. J'ai vérifié, j'ai fait le tour de la map, j'ai joué un peu en off, et j'ai fait encore un petit peu évoluer le Flatosaurus. Regardez-le, il paraît déjà plus humain. Il a des oreilles d'elfe, des mains humaines, des pieds humains, et il y a toujours des petites ailes, parce que c'est la classe, et une petite queue avec des froufrous. Et regardez ça, ma meute s'est complétée de créatures alliées. Si c'est pas beau ça. J'ai fait le tour de la planète, fait le tour de la map. Et je confirme que vos créatures ne sont pas présentes dans la phase créature. Il faudrait sûrement que je la recommence pour qu'elles soient présentes, mais on va peut-être pas faire ça, hein. Donc, du coup, on les verra dans une prochaine fois. Dans une prochaine phase, je l'espère. Et très certainement dans la phase d'espace, de toute façon, la meilleure phase du jeu. Qui est la dernière aussi, que vous verrez plus tard. Et donc, pour l'instant, on va. On va passer à la phase tribu, sans plus attendre. Salut les mecs! Ça va bien? Bracket. Bon, je vérifie juste s'il reste rien. J'adore voler. Ah oui, pour quelqu'un qui me demandait si c'était possible de faire une créature uniquement volante. Non, c'est pas possible. Eh, nouveau vous? Non, je l'ai déjà vu, je me souviens plus. Salut les mecs. C'est bizarre. Oh, voilà, oh, il est moche. Flamingula, encore toi! Oh là! Mon dieu! Barre-nous, les mecs! Barrez-vous vite! Ok. Oh putain, il nous charge! Oh putain, mais tout le monde nous en veut! Oh! Vous avez des artefacts, je les prends. Hop, merci bien! Et wouh! Allez vers toi! Oh, ah non, j'ai perdu 2 personnes de ma meute. Non. Sauf que j'en ai un, celui qui est en train de se faire massacrer là, qui a 250 points de vie, c'est une créature assez rare. Putain, mais il est en train de se faire bouffer là. Allez, défends-toi, on se barre, vite. Ah, mais encore des nids que j'ai pas encore découvert. Mais c'est cool ça. Salut! Des gris-griffes! Salut les gris-griffes! Bon. Mais j'ai peut-être pas encore tout découvert finalement! Continuons notre aventure alors! Des cactus-fleurs? Salut! Oh, mais c'est génial ça! Ah, ça y est, tu reviens triomphant! C'est bien! Oh là là! Oh là là, encore un épique! Ils sont impossibles à tuer ceux-là, ils ont 1000 points de vie, c'est n'importe quoi! Là, je me suis fait une petite flopée d'alliés, c'est toujours utile! Ah, là il y a encore un nid que j'ai pas découvert encore. Ah, mais vous êtes pas gentil, vous. Vous êtes mes potes. C'est con, on peut pas s'accoupler avec d'autres espèces. Pour créer un hybride magique. Un Uber Soldier. Bon, bah. Bah, je fais que passer, les mecs, hein. Vous occupez pas de moi. Oh, il y a une île là-bas. Bah, mais ça sert à rien d'y aller. De toute façon, je vais me faire bouffer en cours de route. Quel est cet artefact mystérieux? Oh, le grand monolithe! C'est le grand monologue! Oh,
ça va être notre nouvelle religion. Qu'est-ce que c'est que ça? La grande tête de cochon suprême. Nouga. Ongaka. Tête de cochon. Tête de cochon. Je vais danser pour toi, tête de cochon. Je peux pas faire du charme, merde. Comment tu peux devenir invisible? Et ça, c'est la grande classe. Cactu fleur. On a des Pokémon. Un Grooter. Salut, mec. Ah, t'es pas content. Gris-griffe. Et là... C'est nous! C'est moi! C'est le Platosaurus! Salut les mecs! Salut les mecs! Wouh! Il y en a un qui est tombé du ciel là, non, c'est parce qu'il vole, c'est vrai. C'est vrai qu'on vole. Oula, c'est nouveau ça. Je n'ai pas peur! J'ai pas peur! Ok, j'ai un peu peur. On récupère ça. Et ça, les artefacts anciens, les fossiles de nos ancêtres, les flatos mammouths. Hop. Ah non, mais il s'est fait bouffer. Non, pas de bras, t'es mort. Toi, c'est une créature exceptionnelle. Oh, tant pis. Ton sacrifice ne sera pas oublié. Mais tant pis. Les six pattes. Bon. Eh bah, c'est le moment de vous dire à tous adieu. Faut qu'on fasse une grande cérémonie. C'est parti. Moi, je danse, les mecs. Car nous allons passer à la phase tribu. Votre vie de créature a dégagé une nouvelle tendance qui définit votre espèce. De nouvelles compétences héritées vous attendent en phase tribu. Ah, et dire que je l'ai fait qu'un jeune Phatosaurus à la recherche d'aventure et d'amour. Et que maintenant, je suis responsable de toute une espèce de l'évolution vers la phase tribu. Alors, il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses. Comment je reviens en arrière? Ici. Je n'ai qu'une petite cellule. J'ai évolué, jusqu'à devenir la génération 7. Un mogul tru. Et puis, la génération 8. Puis la génération 9. Et la génération 10. Enfin, il y a eu une putain de variation entre la génération 9 et la génération 10. La génération 11. On a gagné des ailes. Et des plus grandes pattes. Des plus hautes. Puis, nous sommes passés à la génération 12. Où j'ai perdu du charme, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'ai enlevé mon pénis, c'est vrai. Et j'avais un bec d'alligator. Oui, un bec, j'ai bien dit un bec. Puis la génération 13. Ah, une boule de combat volante. Puis la génération 14. Où nous avons commencé à commencer plus ou moins à devenir humains. En quelque sorte. Avec une corne sur le front. Puis, nous avons décidé de mettre notre visage sur le ventre. Parce que c'est tellement plus de classe. Et toujours cette corne magnifique. Telle une licorne, évidemment. Puis la génération 16, enfin. Mais je crois que c'est la toute dernière, qui est beaucoup plus humaine, ma foi, avec des pattes et des mains humaines. Mais toujours avec les ailes, hein, parce qu'il faut, il faut. Et finalement, la génération 17. Phatosaurus a évolué. Et j'ai été particulièrement prédateur, il semblerait, alors que pourtant, j'ai beaucoup créé des alliances. Bon, donc a priori, j'étais carnivore et prédateur. Ah, c'est dommage, pourtant, j'ai quand même beaucoup charmé ces temps-ci. Bah, c'est pas grave. Après tout, voilà. C'est parti. Suite de l'évolution sur cette planète. Oh, c'est beau quand même de voir toute une espèce évoluer. Ah, je peux faire une toute dernière évolution, une ultime évolution. Bon. Mais je... Oh, un requin nageoire. Oh, c'est tellement plus classe sur la tête. Attends, ça donne quoi ça de nouveau? C'est mon vire ça. Cornutopie. Qui file la charge et de la santé et combien à la place une nageoire. C'est tellement plus classe sur la tête. Attendez, hop. Ouais, bitch. C'est ça que j'aime voir. Oh, cette classe. Oh, ouais, ça a plus de classe. Ok. Ouais. Et pourquoi pas. Oh, pourquoi pas, c'est classe comme ça. Phatosaurus, c'est la fin de ton évolution. Bienvenue dans la fausse tribu. Début d'une nouvelle civilisation. Début de l'histoire. Début de la sédentarisation de l'espèce. Ah mais j'adore la parodie de 2001 l'Odyssée de l'espace. Tutu. Bam 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 bam. Ouais.
C'est parti! J'ai compris comment faire du feu, les mecs. Nom de Zeus! C'est évident! 2,21 gigawatts! Bravo, vous êtes sur le point de passer en phase tribu. Oui, j'ai découvert le feu. Et j'en suis fier. Préparation de l'échantillonnage ethnographique. Révision des animations. Préparation de l'échantillonnage ethnographique. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, on va rencontrer vos créatures. Maximosaur. Ainsi qu'un grenouille. Non, c'est un Maxis, ok. Oh, il ressemble à Jabba the Hutt. Pokerface, ouais. Un Arminios. Un what the fuck. Ah, j'ai pas eu le temps de tout lire. En tout cas, on va rencontrer vos créatures. Et ça, c'est cool. Enfin! Oh! Je veux que ma tente soit plus grosse que ça! Je veux pouvoir avoir un espace privé pour mes prostituées, ok? Bordel! Laissez-moi une pièce spéciale pour mes bitches! Ce toit qui vous pousse au-dessus de la tête? Ce feu que vous maîtrisez? Ça y est! Vous pouvez aussi à l'âge des outils qui coupent et des tam-tams! Mais gare! D'autres tribus s'implantent partout sur la planète! Quoi? D'autres espèces qui sont plus évoluées? Non! Je n'aime pas ça! Vous avez formé une tribu! Vous voici à la tête d'une tribu de 3 individus! Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs individus et leur donner des ordres. Vous devez interagir avec les autres tribus pour remplir votre barre de progression. Regardez, je regarde. Voici votre barre de progression. Oui, comme dans toutes les phases jusqu'à présent. Formez des alliances ou attaquez d'autres tribus pour améliorer votre tribu. Très bien. Ces objectifs vous guideront pendant toute votre vie tribale. Votre première tâche, réhabiller votre clan au magasin tribal. Oh, c'est parti les mecs. On va faire des courses, on va faire du shopping. C'est parti, atelier tribal. Oui, on s'en bat les couilles. Alors, commençons par le commencement. On va s'habiller un petit peu. Parce que le cul à l'air, c'est sympa deux secondes, on n'est pas Donald Duck. Alors... On va mettre le bonnet de Docker, quoi. Le problème, c'est que j'ai un putain d'aileron sur la tête qui me prend toute la place. Ah, les stylistes ont pas été foutus de faire un chapeau adéquat, bordel. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pas de chapeau. Chapeau, c'est pour les cons. Pas de masque non plus. Ah, alors par contre... Pour le buste, toujours un petit truc. Oh, une boîte à bijoux, est-ce que ça voudrait dire que c'est ça? Voilà. Ensuite. Ah oui, un pagne, ça peut être pas mal aussi. Ben non, je suis bien comme ça. Ensuite. Brassière, super coquille, bouclier. Je vais mettre des boucliers. Voilà. Ensuite. Une couronne soleil. Une tenue. Une couronne, ça me botte bien. Une couronne, c'est cool. Par contre, j'ai... Putain, j'aurais jamais dû foutre cet aileron sur la gueule. Bon. Et ben ma couronne sera... Mes nouveaux coups de poing américains. Non, ça marche pas. Putain! Bon, ici. C'est bien aussi. Et, finalement... Une carnichoute... Une moustache, mais bien sûr! Oh oui! Oh oui! Oh oui! La moustache, quoi! Alors, attendez. Non, on est déjà peint. Ah oui, aussi, j'ai installé le pack étrange et mignon. Là, j'ai pas pu l'utiliser dans la partie parce qu'il aurait fallu aussi que je recommence une phase tribu, j'ai pas tellement envie. Villageois Vlatosaurus! Ouais, je peux pas renommer. Tant pis, c'est pas grave. Et c'est parti pour la suite de la liste des aventures. Et le mec! J'ai une moustache! J'ai pas encore assez de points pour acheter des trucs. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ok, les mecs! Et on est beau là! Mais on est super beau! Salut les mecs, regardez-moi ce sceptre qui brille. Ça brille des yeux, mec. Oui. Alors, est-ce que c'est la même planète que tout à l'heure? Je pense que oui. Bon, oh, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'est que ce que j'ai pas vu là? Mais t'es énorme, toi. Il est énorme, lui. Bon, c'est pas grave. Faisons un petit tour du propriétaire. Alors, piège, qu'est-ce que c'est un piège? Déjà, pourquoi on est en mode pause, là? Oui. Ok, les mecs! Ah oui, c'est vrai qu'il faut nourrir le village, j'ai oublié. Allez, on pond des bébés, les mecs, on pond des bébés, ça fait chier, là. Bon! Allez, tout le monde! Alors. Réjouissons-nous de la naissance de Medena. Medenea. Qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Je peux les renommer? Bon. Comment vous appelez? Laxodide, Laloxide et Cédomonge? Moi, je m'appelle Andras! Mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Bon.
Salut les mecs, on a sympathisé avec vous. Il faut au moins 15 pour nourrir un animal sauvage. Mais je veux pas nourrir des gens. Mais je veux pas nourrir des gens, je veux les bouffer. Non, je veux pas les bouffer, je veux les sympathiser. Ah ok, donc ça c'est pas des tribus, ça c'est oui, ça c'est des... Ça c'est des créatures qui sont toujours à l'état sauvage. Donc du coup, ceux-là je peux les dompter. Ah c'est bien ça. Ok. Enfin, il nous faut de la bouffe. Il nous faut de la bouffe. Oh les what the fuck. Salut les what the fuck. Vous allez mourir. Attaque. Bombe incendiaire. Ah et ça a servi à rien. Ça a servi à rien ce tour de moi. Ah la merde. Ah la merde. Ça commence très mal. Ça commence pas particulièrement très mal. Allez. Un de moins. Allez, on chope la bouffe. Ah c'est vrai que moi à chaque fois que je faisais mes parties, je les faisais en mode herbivore, du coup dans les phases tribus, j'avais jamais attaqué les autres espèces. Et là c'est pas grave. On est carnivore ou on l'est pas au bout de la bonne chair ou on la bouffe pas? Moi je veux des ribs, je veux des bacon, moi je veux du bacon, bordel. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh! Une nouvelle tribu! Avec un gros machin qui se traîne derrière, une espèce de moustique géant. Une tribu rivale de la tribu de Hunnen s'est formée sur votre planète. Attends, c'est ma tribu qui s'appelle de Hunnen? Mais non. Bon, toute tribu a un dirigeant suprême, le chef du village. Notre tribu peut partir au combat sans lui, mais il est indispensable lors d'une rencontre amicale avec une autre tribu. Le chef de village dispose également de toutes les compétences héritées de votre tribu. Pour utiliser une compétence héritée, c'est que vous avez d'abord... Fucking... Ça doit être ça, les compétences spéciales. Ok, il met du temps à se recharger, dis donc. Bon! Nous sommes 4. Ouh, t'en a un qui est tout petit encore, là. Bon, allez bouffer! Il est temps de se sustenter, là. Voilà. C'est agréable de manger au coin du feu, non? Bordel. Bon! Sur ce... Sur ce, rajoutons un bébé. Parce que bordel, il y a des pondeuses à l'intérieur. J'ai plus assez de nourriture. Merde, comment on sait combien j'ai de nourriture? Putain, mais ils discutent, ils socialisent. On dirait des Sims. Et là, on va bouffer 2-3 autres là, parce qu'il faut chasser les mecs, il faut chasser. Ah, pas que c'est à foutre. Allez. Bam. Bam. Ah ça change, putain ça. Ça change de la... de la version sauvage. Ah, je suis devenu supra puissant quoi. Ils ont même des œufs. Tiens toi. Chope un œuf. Toi aussi. Ah, comment on se nourrit? J'espère que ça se reproduit ces trucs-là parce que sinon on aura bientôt plus de bouffe. Ah mais c'est ça la bouffe, je suis bête. Alors attendez, on va... Ah, donc en fait, il faut payer des trucs bouffe. Ah, ok. Ah bah du coup, oui, il va falloir que je la garde précieusement ma bouffe en fait. Je la garde précieusement. Ça coûte combien? 25. Encore 3 de bouffe et ça va le faire. Quand lui il arrive, je vais pouvoir m'acheter un nouveau bâtiment. Oui. Ok. C'est parti. On va acheter ça. Un Didgeridos. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on peut foutre là-dedans en fait? Ah non, non, ok, oui. Donc en fait, oui, voilà, il y en a. Ouais, on va faire ça. Vous allez tous devenir des didgeridos, les mecs. Et ensuite, on va les chasser. On va chasser. Ça. Ça, ça a l'air moche, ça. Allez, il nous faut de la bouffe, on y va. Allez, on vole. Oh, cette classe. Pourquoi on est transparent? Ah oui, ils sont mis en mode furtivité, carrément. On a tellement de classe, on a tellement de classe. Allez, bouffez-le, lui. La route, Sam. Sam, dis oui, Titi. Sam. Oh, parfait, tu prends la pause. Attends, 2 secondes. Sam. Dis oui, Titi. Ou en allemand, si tu veux. Oh, qu'il est beau. Oh oui, vas-y, pause. Oh oui, fais l'amour à la caméra. Oh, tu es magnifico. Magnifico. L'objectif t'adore. L'objectif t'adore. Ton crâne reluit sous mes clichés instantanés. Ah, c'est magnifique.